Martine Rude, bonjour. Bonjour Blanche. Je suis très contente de pouvoir m'entretenir avec vous pour fêter ce qui est un véritable événement éditorial, la publication de ces deux volumes Femmes et littérature, une histoire culturelle, en deux tomes dans la collection Folio Essai Inédit. Et puis, je rappelle la parution dans ma collection Folio Classique au même moment d'une série que j'ai intitulée Chefs-d'œuvre de femmes, dont les couvertures sont nouvelles et ont été confiées à une illustratrice pour remettre en avant ces grandes femmes de la littérature, donc comme une illustration de votre ouvrage collectif. Alors cet ouvrage Femmes et littérature, votre ambition que vous avez dirigée était de montrer l'apport des femmes à la littérature depuis 9 siècles. L'apport des femmes, il s'agissait de rappeler les succès, bien entendu, mais surtout les difficultés considérables, écrivez-vous en préface, que les femmes ont rencontrées pour être reconnues par la critique, associées aux institutions littéraires, intégrées à un discours portant sur le passé de la littérature. Car une histoire culturelle des femmes et de la littérature, c'est d'abord et surtout une histoire d'empêchement. Vous analysez l'ensemble des obstacles auxquels ont dû s'affronter ces auteurs parce qu'elles étaient des femmes qui voulaient écrire, c'est-à-dire comment la différence des sexes joue dans le champ littéraire, un champ où on ne l'attendrait pas forcément si on a cette idée un peu romantique des choses que l'art doit être éthéré, asexué et au-dessus de toutes ces contingences. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille lire les œuvres des femmes à la lumière de leur genre. Ce n'est pas parce que les femmes ont dû dépasser des déterminismes et des obstacles que leur œuvre doit être réduite à cela. Car toute femme qui écrit n'est pas une femme qui se pense comme une femme qui écrit. Il me semble que c'est dans cette tension entre regard sur les femmes et regard des femmes elles-mêmes que vous avez dû jouer. Oui, alors je pense que c'est un bon point de départ, en effet. Nous avons, je pense, individuellement et collectivement, la petite équipe qui a travaillé sur cette question des femmes en littérature, à la fois évidente et en réalité passablement compliquée, a buté presque immédiatement sur la question de l'empêchement, sur la question des attaques. Moi-même, j'ai essentiellement travaillé en dehors de la couverture d'ensemble sur le 19e siècle, et j'avais un peu pour parti pris au départ de ne pas commencer à faire une sorte de pense bête de toutes les attaques misogynes contre les femmes auteurs, et force a pourtant été de constater qu'elles étaient si profondément là, si viscéralement là, même ai-je envie de dire, qu'il fallait la penser. Ces questions d'empêchement reviennent sous des formes au total assez voisines d'un siècle à l'autre, depuis le Moyen-Âge bien entendu, avec toutes ces questions de clercs, etc., mais encore au 19e et au 20e siècle. Et donc là, en effet, c'est une première chose qu'on peut souligner. La deuxième, c'est effectivement cette question de savoir comment on pense correctement le sexe de l'auteur. De l'auteur avec ou sans eux, ou de l'auteur, l'autrice, puisque on sait aussi, il y a eu toutes sortes de termes utilisés pour désigner les femmes en littérature. Alors, comment est-ce qu'on la pense? Je pense que, justement, vous l'avez dit, il n'y a pas de réponse simple, parce que on voit, au fil des siècles, toutes sortes de positionnements. En réalité, un vrai spectre de positionnements, depuis celle qui se déclare absolument femme et qui va écrire en tant que appartenant à ce sexe, deuxième, pour reprendre une formule de Beauvoir, et celle qui va dire, ça n'a absolument aucune importance, ce sera la position de Germaine de Staël et de George Sand, par exemple, et celles-là vont dire, ça n'a aucune importance. Moi, j'écris. Et après, aussi la position de Monique Wittig. Et ce sera plus tard. Alors après, au moment où on arrive au XXe siècle, effectivement, il y a toutes sortes de contestations. Il y a celles qui disent il y a l'écriture féminine, puis d'autres qui évidemment insistent sur le fait qu'il y aurait une sorte de neutralité de l'écriture. C'est d'ailleurs aussi, et pour tirer les choses du côté du XXe siècle, ce qu'affirmera Marguerite Yourcenar, par exemple. Et donc là, je pense que, de mon point de vue, c'est intéressant de montrer que ce sont toutes sortes de positionnements, mais ces positionnements montrent la singularité
de la position des femmes en littérature, puisque évidemment au masculin, il n'y a pas de spectre de la position à l'égard de la masculinité ou de la virilité, évidemment pas. Parce que la littérature est pensée comme un objet masculin, et donc la question du sexe de l'auteur n'importe pas, oui. Globalement. Alors, oui. Pour en venir à votre contribution sur le 19e siècle, précisément, vous rappelez que le 19e siècle est l'âge d'or du privé. C'est un siècle qui apparaît essentiellement placé, dites-vous, sous le signe de la différence des sexes, et ce qu'elle implique, à savoir l'exercice d'une domination réelle et symbolique des hommes sur les femmes. Et c'est tout à fait ce que rappelle Michel Perrault, en affirmant que la difficulté d'écrire l'histoire des femmes tient à l'effacement des traces, publiques comme privées. Le chercheur fait face à un déficit dans l'enregistrement des sources et dans leur conservation quand il s'agit des femmes. Ce qui s'explique par le fait très élémentaire que le 19e siècle a clairement distingué les sphères publiques et privées. La sphère publique pour les hommes, c'est-à-dire l'extérieur, l'activité et des activités qui laissent des traces, notamment écrites, tandis que les femmes étaient renvoyées, comme on sait, à l'espace intérieur de l'intime, de la maternité, et donc laissant très peu de traces, sinon privées. Michel Perrault a cette belle expression « les archives publiques taisent les femmes ». Il me semble que cela a dû être une difficulté, mais aussi un enjeu dans vos recherches collectives. Vous avez certainement voulu sortir les femmes de ce silence de l'histoire. Oui, absolument. Et là, nous avons été très heureuses de suivre les traces désormais anciennes, d'ailleurs, et sur un temps considérable, de Michel Perrault et des historiennes qui ont travaillé sur ces questions. C'est vrai que si je ramène les choses au seul 19e siècle, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de questions qui n'avaient jamais été ni pensées, ni théorisées, ni historicisées, ni même documentées. Je pense à la question des femmes et le théâtre, par exemple. Là, on est une sorte de vide considérable. Heureusement, il y a une collègue qui avait fait une liste de toutes les pièces publiées par les femmes pendant le 19e siècle. Ça a été très, très précieux, naturellement. Mais dans l'ensemble, on voit bien que culturellement, il y a des trous, parce que il y a une sorte de discours qui passe un peu à la façon d'un rouleau compresseur, au sens où, bon, elles sont écartées. De temps en temps, on prend une ou une autre figure particulièrement, jugée particulièrement intéressante et donc connue. Et les autres sont effectivement, on passe à la trappe. Et il est assez difficile après ça de dire, regardez, l'œuvre est excellente, parce que personne n'en a jamais entendu parler et que même le nom de l'auteur n'est pas connu. Il y a aussi quelque chose qui me frappe au 19e siècle sur lequel vous revenez, c'est qu'on a souvent tendance à cette époque à réduire les femmes à la femme, avec un F majuscule, et comme le fait par exemple Michelet, même oui, s'il oui, bien sûr. Idéalise oui, oui, la, oui, oui, la femme, mais voilà, la femme avec comme une entité presque abstraite, à vrai dire, on ne veut oui, pas trop en savoir. Donc comment écrire une histoire des femmes quand on a toujours parlé que de la femme ou que des exceptions? Il me semble que vous, et c'est très frappant dans ces deux volumes, vous voulez les montrer dans leur diversité et dans leur singularité et dans leur individualité. Alors tout à fait, parce que justement, sinon on tombe sur le travers, un travers qui s'observe partout et qui est une question, à mon sens, absolument centrale, c'est-à-dire que la difficulté c'est de ne pas arriver à dire, voilà, on les met ensemble, il y a des caractéristiques communes, elles s'occupent toutes de conditions féminines, etc. La réalité montre que, bien entendu, la diversité est considérable, que là aussi, on retrouve un spectre de positionnement qui soit à la fois politique et, je dirais, positionnement éthique en matière de littérature, et donc il y a une énorme diversité, et cette diversité, elle doit être rendue. On ne peut pas ramener, évidemment, ni le romantisme, ni le réalisme, pour autant d'ailleurs que ces catégories conviennent au féminin, ce qui est une question complexe aussi, mais évidemment, il n'est pas question de les mettre ensemble. Et j'anticipe peut-être ce qui pourrait être une sorte de conclusion, à savoir que nous avons fait un geste et nous y tenons beaucoup, et j'insiste sur le fait que ce que j'exprime ici et je pense, j'espère, collectivement partagé par mes collègues, nous tenons beaucoup à ce que ce ne soit qu'une première étape, c'est-à-dire que ce n'est pas une nouvelle façon de les enfermer encore une fois dans leur identité sexuée.
c'est une manière de poser un objet qui dit la suite, c'est une littérature, l'histoire de la littérature française et de langue française qui synthétise depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui des pratiques à la fois communes et différentes sur la littérature. Tout à fait, on va y revenir bien sûr, beaucoup plus longuement, c'est fondamental. Une autre chose aussi que vous pratiquez dans cet ouvrage, c'est vous montrer que la partition genrée des espaces, espaces privés, espaces publics, se traduit en termes de genre littéraire. Les femmes, on le sait, ont longtemps été renvoyées au genre littéraire de l'intime, que sont la correspondance, ce que l'on pratique dans sa chambre, dans son cabinet, on écrit à ses amis, le journal intime, bien sûr, jardin secret des femmes, qui a toujours été vu comme un lieu dont il faut se méfier. Les contes pour enfants, avec Madame d'Aulnoy, avec la comtesse de Ségur, plus littéralement, généralement la littérature jeunesse, sur laquelle vous revenez dans votre partie sur le 19e. Donc les femmes toujours envoyées au pôle maternel. Là, il m'a semblé qu'il s'agissait pour vous toutes, de déconfiner les femmes, pour employer un mot d'actualité, de les faire sortir de leur chambre, de les désenclaver, montrer qu'elles ne sont pas limitées au genre de l'intime. Mais je dirais qu'il me semble qu'il y a eu deux mouvements. Montrer qu'elles ne sont pas limitées au genre de l'intime et montrer à quel point le discours critique qui les a enfermées dans le discours de l'intime a été efficace. Parce que là, on peut revenir à certaines choses que dit Bourdieu sur les effets de domination. Ils sont d'autant plus efficaces qu'ils ne sont pas perceptibles. Et je pense que l'association des femmes et du roman, par exemple, est une chose tout à fait significative. On a dit et répété que le roman était par excellence un genre féminin. On l'a dit à la fin du XVIIe siècle. Et ça, c'est véritablement, c'est énoncé, c'est en quelque sorte figé, et on l'a répété contre toute évidence pour le 18e et le 19e siècle, contre toute évidence en termes de chiffres, puisqu'évidemment, les grands romanciers, dès le 18e siècle, sont des hommes. Et donc, là, on voit l'efficacité d'un discours qui a, au fond, assoit quelques évidences, en réalité des préjugés, qui disent « les femmes ont de l'imagination, si elles sont quelque chose, elles sont romanesques », voilà. Et donc, les voilà embarquées pour la fiction. Elles ont aussi du temps pour rêver, etc. Donc, tout ça convient parfaitement. Et ce qui est incroyable, c'est de voir l'efficacité, malgré tout, de ce préjugé. D'un autre côté, il est vrai, et vous le disiez à l'instant, nous avons eu le souci de dire, attendez, il y en a dans tous les genres. Elles ont été essayistes, elles ont été historiennes. Et c'est là que, évidemment, le choix, qui est un choix de l'éditeur, Éric Vigne, choix, à mon sens, très judicieux, de faire une histoire culturelle, et non pas une histoire, au fond, qui aurait été un peu, qui se limiterait à la production littéraire. Nous avons été, là, très soucieux de dire, il y a une vraie sociologie de la littérature, comment est-ce que ça s'organise, qui fait quoi, à quel moment, quels sont les prix, quelles sont les institutions, quel est le rôle des salons, des cénacles, etc. Ça, c'est utile justement pour désenclaver et pour dire, regardez, en réalité, elles sont partout. Elles sont partout, de façon minoritaire, dans la poésie, au théâtre, par exemple. Et là, on retrouve l'efficacité du préjugé sur... Oui, je rappelle que vous avez publié donc la pièce de théâtre de Georges Sand, Gabriel, et ça c'était vraiment tout à fait une nouveauté, et je vous remercie de me l'avoir confié pour la collection Folio Théâtre. Vous pouvez peut-être nous en dire deux mots, parce que c'est tout à fait exceptionnel, unique, cette pièce que peu connaissent, et qu'elle a eu beaucoup de peine à faire exister, et qu'elle n'a pas fait monter. C'est en effet une histoire qui se passe dans un temps de fantaisie, et dans une Italie un peu de fantaisie aussi, essentiellement à Rome en l'occurrence, et qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui est élevée comme un garçon et qui découvre, au moment où les effets de maturité vont faire valoir la question de l'héritage ou pas, l'héritage du titre, l'héritage du nom, l'héritage de la fortune, si elle choisit d'être une femme et dans ce cas d'être enfermée en vitesse dans un couvent, ou de vivre en homme, avec évidemment la liberté que cela suppose. Et cette pièce de théâtre va montrer très habilement comment, au fond, aucun des choix n'est satisfaisant. Aucun des choix n'est satisfaisant quand on est une femme et qu'on a connu la liberté de l'homme. Et je pense que Georges Sand, et pour résumer très vite, évidemment, une chose beaucoup plus compliquée, mais elle est peut-être essentiellement sensible à la liberté du masculin.
la liberté du costume, déjà donnée par le costume, hein, très sensible aussi aux questions du costume. Elle-même, elle dit qu'elle s'habille en écolier, c'est-à-dire qu'elle a couru la campagne quand elle était enfant et qu'elle était en pantalon. Et donc, il y a la liberté de costume, il y a la liberté de mouvement, enfin, littéralement, puis la liberté de penser, la liberté de voyager, etc., qui se fait entendre avec une force particulière dans cette pièce de théâtre. Alors, venons-en à une opposition que vous avez soulignée, sur laquelle j'aimerais revenir. Le romantisme vu comme féminin, y compris les auteurs masculins d'ailleurs, qui étaient traités de femmes lettres. Oui, oui. Et à l'opposé, le réalisme qui est viril, le réalisme à la Zola, le réalisme de l'écrivain qui va sur le terrain, qui interroge peut-être, déjà sociologue avant l'heure, parce que les femmes ne sont pas, ne seraient pas dans le réel, et donc ne pourraient pas en dire quoi que ce soit. Elles sont très condamnées à l'idéalisme, à inventer, à rêver et au sentimentalisme. Et donc on les a beaucoup réduites à une littérature amoureuse. Alors, qu'en est-il de ces romans de femmes? Il me semble que c'est une distinction qui est toujours reconduite. Vous l'avez un peu dit. Oui, absolument. Aujourd'hui, roman d'homme, roman de femme. Oui, voilà. Pour revenir donc à cette opposition au romantisme-réalisme, je pense qu'elle est très intéressante parce qu'en réalité, elle peut être reconduite pour toutes les catégories traditionnelles de l'histoire littéraire. Après tout, nous avons été élevés dans un discours sur l'histoire littéraire que nous avons introjecté sans l'interroger, bien entendu, sans le genrer, bien évidemment. Et donc, il nous a paru que, voilà, le romantisme était en effet le temps de l'effusion, de la sentimentalité, du rêve, des larmes, etc. Et que après, il y avait cette sorte de, faut-il dire aurore, je ne sais pas, mais en tout cas, autre chose de plus sérieux, de plus scientifique. Et on se rend compte que, moi, ce qui m'intéresse dans cette opposition, c'est que justement ça a été immédiatement reconduit sur un modèle que Françoise Héritier appelle la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire qu'on a féminisé les romantiques en disant mais ils sont tout juste bons à pleurnicher, donc Lamartine est une femmelette, et ça c'est Flaubert qui le dit. Et Zola le dit aussi, d'ailleurs. Donc les romantiques, bon ben tant pis pour eux, on est passé à autre chose, et j'aime beaucoup cette expression, tout de même assez étonnante, de Zola quand il parle de la virilité du vrai. Donc comme si le réel pouvait être confisqué au profit du masculin, et que seul le masculin pouvait l'énoncer, le nommer, le mettre en forme, etc. Et alors là, on n'est plus du tout, vous le voyez, et les contradictions sont multiples dans le roman genre féminin, évidemment, parce que heureusement il y a le réalisme. De nouveau, on mesure bien à quel point cette sorte de bicatégorisation masculin-féminin, non seulement elle se retrouve partout en littérature, ce que je pense notre travail fait voir particulièrement bien, beaucoup mieux en tout cas que l'histoire traditionnelle, mais en plus de ça, elle crée une hiérarchie, immédiatement. Oui. Autre chose qui me frappe en lisant ces deux volumes, c'est le nombre d'auteurs que l'on ne connaît pas, le nombre de noms qui apparaissent tout à coup. Il est vrai que l'histoire littéraire, mais aussi l'édition, et là je dois faire aussi mon examen de conscience, s'est focalisé sur des grands noms. Les chefs-d'œuvre de ces grandes femmes, c'était déjà bien, c'était déjà très bien. Mais il est évident que ça ne suffit pas. Ce sont toujours les mêmes figures, les mêmes grands noms de femmes que l'on retrouve dans les programmes scolaires. Donc chaque époque est réduite à quelques grands noms. Marguerite de Navarre pour le XVIe, voilà, Christine de Pisan au mieux pour le Moyen-Âge, etc. Et puis toujours George Sand, et puis toujours Madame de Staël, etc. Il me semble que les femmes ont longtemps été condamnées à être des exceptions. Sans doute parce qu'il fallait, et c'est encore le cas dans la société aujourd'hui, qu'elles soient plus fortes que les hommes, on le sait, pour s'imposer. Il me semble que nous sommes actuellement à une époque où il s'agit de revaloriser toutes celles que ces grandes auteurs ont invisibilisées malgré elles, c'est-à-dire un rééquilibrage, faire émerger des auteurs longtemps considérés comme mineurs, mais qui ne le sont pas.
Oui. Et c'est ce que vous avez fait dans votre série Femmes de lettres en folio 2 euros, avec des textes courts de femmes pas si connues. Non, et c'est ce que j'essaye de faire avec vous et avec d'autres pour Folio Classique. On est à cette époque-là. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait importante et excitante. Je pense que c'est très intéressant de voir que souvent, les historiens de la littérature, y compris jusqu'à aujourd'hui, ont fait valoir que les femmes, les œuvres de femmes, bien sûr, il y en avait, mais d'abord, on ne savait pas combien exactement, ensuite et logiquement c'était des œuvrettes, enfin des petites choses comme ça, et qu'il y avait heureusement ce que vous appelez les exceptions. Or, l'histoire littéraire est tout simplement pleine d'auteurs mineurs. L'histoire littéraire est essentiellement constituée d'auteurs mineurs, parfaitement mineurs. Loin en loin, parce que justement, le génie est rare et que les très grandes œuvres, comme dans toutes les pratiques artistiques, les très grandes œuvres sont rares. Donc de loin en loin, il y a des exceptions. Il y a moins de femmes que d'hommes, pour toutes sortes de raisons évidentes, mais tout de même, l'exception ne constitue pas le discours de la littérature. La littérature, c'est un vaste terrain ou terreau où chacun publie un certain nombre de choses, et puis sur le moment, l'œuvre est plus ou moins bien reçue, après, elle a son histoire aussi, la réception a son histoire, mais donc la question du caractère mineur de l'œuvre doit être balayée, puisqu'elle n'a pas de sens. En revanche, il est vrai que par un discours qui invisibilise, vous l'avez dit vous-même, au fond, la grande majorité des œuvres de femmes, on a l'impression, dès qu'on exhume un texte ou un nom, qu'on va chercher quelque chose d'extrêmement rare. Évidemment, en cherchant un peu mieux, on voit que ce n'est pas le cas. C'est très important ce que vous dites, est très rassurant pour moi, éditrice, parce que c'est toujours un problème qui m'habite. Parce que c'est l'argument est-ce que cette sorte de discrimination positive, affirmative action, oui, ne va pas nuire à la cause? Est-ce qu'on ne va pas survaloriser des auteurs mineurs? Mon Dieu, on a aussi beaucoup survalorisé des auteurs masculins, mineurs. Absolument, et en nombre. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'il ne faut évidemment pas réduire la littérature, à commencer par la littérature classique, au chef-d'œuvre. Sinon, on aurait un tout petit... Enchanté de lire des chefs-d'œuvre, la question n'est pas là. Mais il y a bien d'autres choses. Alors, j'en viens à la grande question que vous posiez d'entrée de jeu. Nous sommes au temps de la visibilité des femmes, qui est un temps de transition, vous l'avez dit. Vous envisagez dès l'introduction du tome 1, et ça je trouve ça très fort, ce que vous appelez l'autodissolution des volumes que l'on tient entre nos mains. J'ai beaucoup aimé cette expression. Un temps viendra, vous le dites, vous le souhaitez, où une telle histoire littéraire des femmes sera inutile, parce qu'elles auront été intégrées à l'histoire littéraire tout court. Et c'est ce que vous affirmez également dans la conclusion de votre partie sur le 19e siècle. Les femmes en littérature revendiquent une réelle liberté d'expression, une égalité à toutes les étapes de la création, et, en point de fuite, le dépassement pur et simple de la différence des sexes. Ce que le 19e siècle fait entendre, ce que la revendication que le 20e tente de réaliser, qu'en est-il aujourd'hui, et surtout, comment passe-t-on d'une étape à une autre? Ah, je pense que c'est pour ça que c'est un souhait que j'aimais, mais c'est un souhait collectif, j'y insiste beaucoup. En fait, la chose est assez difficile, parce qu'elle suppose réellement qu'on genre, puisqu'on utilise désormais ce verbe copié de l'anglais, qu'on genre toutes les démarches en matière littéraire, tous les enseignements en matière littéraire, toutes les catégories pour penser la littérature. Et c'est là que je pense qu'on attend, on souhaite, et après tout, en littérature comme dans d'autres domaines, notamment artistiques, une sorte de révolution herméneutique. C'est-à-dire qu'il n'est plus question d'entendre qu'on a une sorte de discours général, et qu'ensuite, en regardant bien de temps en temps, et encore, si vraiment on est intéressé par ces questions, on trouve quelques œuvres de femmes. En réalité, il faut penser qu'il y a des hommes et des femmes en littérature, comme dans la vie, à tout moment, on doit se dire, est-ce qu'on est au masculin ou au féminin ? Question très compliquée, évidemment, faut-il à tout prix maintenir cette différence ? Je pense que tout ça doit faire débat, c'est aussi l'intérêt de ce geste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse simple, il faut continuer de débattre,
Mais idéalement, je souhaiterais tout de même qu'il y ait une attention portée à la nécessité de dire à chaque étape le romantisme, où sont les femmes, est-ce que c'est une catégorie qui convient aux femmes, puisque l'histoire littéraire a été conçue avec des catégories qui conviennent aux œuvres masculines. Dans certains cas, elles conviennent aussi aux œuvres féminines, peut-être pas toujours, peut-être pas systématiquement, et donc je pense qu'il y a une sorte de révision générale des pratiques littéraires et de leur enseignement, entre autres choses aussi, qui est nécessaire. Et de l'édition. Là, il y a beaucoup de travail à faire que nous faisons ensemble. Il faut rendre ces textes accessibles. Oui, ça c'est le point de départ. C'est le point de départ. Et il me semble qu'ensuite, finalement, c'est le lecteur qui jugera. Et cette hiérarchie majeure-mineure, nous verrons dans les... On l'a fait sauter. Ouais. En revanche, et bien sûr, vous, comme éditrice, vous le savez beaucoup mieux que moi encore, et après, il y a des effets de goût, c'est-à-dire on peut préférer tel texte à tel texte, évidemment. On peut aussi trouver que, tout de même, on n'a pas perdu non plus, on n'a pas fait passer à la trappe la question de la valeur. Il y a des choses qui paraissent beaucoup plus intéressantes que d'autres. Ça, c'est dans l'ordre des choses. Mais je pense que faire entendre de manière un peu plus ouverte les textes qui ont été publiés, pour montrer à la fois justement ce jeu de ressemblance et de différence qui est continu, ça, c'est tout à fait judicieux. Les textes qui ne sont pas uniquement des romans. Je pense Madame de Staël en Pléiade ne sont réunis pour le moment que ces romans. Voilà. Je vais publier en folio classique 10 années d'exil, qui est un très beau texte important. Autobiographique. Pour le moment, en Pléiade, Virginia Woolf, ce ne sont que ces romans. Voilà. J'ai publié Un lieu à soi, qui est l'essai majeur. Là aussi, il y a ce travail. Tout à fait. Les femmes ont été d'excellentes historiennes. Il faut rééditer le commentaire sur la Révolution de 48 de Marie Dagou, par exemple, et un tas d'autres textes. Parce que là aussi, vous voyez que c'est vraiment les lunettes romans qui bouchent un peu la vue et qui font dire « Ah ben, on va publier les romans ». Alors venons-en à la dernière question qu'on ne traitera pas en détail parce que c'est très complexe. Le 21e siècle sera-t-il celui non plus de la différence des sexes, mais de leur indifférenciation? Le genre est-il destiné à ne plus être une question, mais simplement une donnée biologique, une construction sociale et non plus un problème? Ou bien, selon vous, y aura-t-il toujours des écritures féminines, des écritures masculines? Très grosse question que celle de l'écriture féminine. Très compliquée. Très complexe. À entendre la question, je me rappelle du pessimisme de Françoise Héritier à la fin de sa vie, quand elle disait « Je crois qu'on ne va jamais se débarrasser de la différence ». On peut souhaiter, et évidemment, si justement, utilisant même le terme de genre, on peut espérer une sorte de point de fuite qui serait qu'au fond, ça n'importe plus. On comprend bien que la situation est très complexe, qu'elle est à la fois sociale et politique. On voit comment ça se passe dans le monde, et les situations sont quand même très contrastées, et donc je pense qu'à ce stade, on peut au moins se dire qu'on travaille à faire entendre d'abord le discours de la différence dans un souci qui serait qu'à la fin, on soit débarrassé de cette chape de plomb, mais avec quand même quelques hésitations, non pas à s'engager dans ce mouvement, mais à rêver que ce soit possible. Avant de s'en débarrasser, il faut le faire exister, il faut le montrer. Absolument. Et c'est à cela que s'emploient avec énormément de réussite vos deux volumes, Femmes et littérature, qu'il faut lire, Femmes et littérature, une histoire culturelle, en folio essai. Et je vous remercie beaucoup, Martine Rive. Merci à vous, Blanche.